de la 32e édition, nous rendons un hommage particulier à Francesco Rosi. À cette occasion, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Simon, historien, critique de cinéma, directeur de publication et membre du comité de rédaction de la revue Positif, collaborateur depuis de longues années à l'émission Le Dossier de la Plume de France Inter, auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur le cinéma, dont un qui nous intéresse particulièrement, Le Dossier Rosi. Donc, il nous a fait l'honneur de sa présence pour nous parler du cinéma Francesco Rosi, de Francesco Rosi, et il nous fera plus clairement pour la fin de sa conférence une introduction au film qui suivra tout à l'heure, La Basse sur la ville. Je voudrais également saluer la présence dans cette salle de Jean Gély. Je suis très heureux évidemment que Virut se rappelle au bon souvenir de Francesco Rosi, parce que, qui est venu d'ailleurs plusieurs fois à Virut, parce que c'est un cinéaste, c'est des aléas des modes, qui est aujourd'hui un peu sur la touche, on n'en parle pas beaucoup, il est mort il y a deux ans je crois, déjà, et c'est un cinéaste qui évidemment a marqué considérablement les années 60 et 70, et même 80, par son cinéma. C'était un cinéaste qui a eu une influence considérable sur le cinéma mondial, des gens comme Ken Loach, comme Oliver Stone, comme Costa Gavras et bien d'autres, enfin tous les gens qui se sont illustrés dans un cinéma qui prend pour sujet la politique ou le politique, lui doivent tous quelque chose. Il a été couronné à la fois par un Lion d'Or au Festival de Venise, par une Palme d'Or au Festival de Lion d'Or pour Main Basse sur la ville, Palme d'Or pour la Ferme Mattei, Lion d'Argent, Ours d'Argent. Il a failli faire la triple consécration à Berlin avec Salvatore Giuliano, et qui aujourd'hui est un peu négligé, peut-être parce que curieusement, la politique n'est plus aussi important pour les commentateurs. Donc c'est un cinéaste, je pense, considérable. Je vais essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles cette importance me paraît. Tous les livres que j'ai faits sont partis d'un choc, de la vision d'un film qui m'a bouleversé, qui m'a ouvert des horizons que je ne soupçonnais pas, que ce soit 2001, l'Odyssée de l'espace, de Kubrick, ou bien The Servant de Lozay, ou Sur les quais de Kazan, ou Sweetie de Jane Campion, enfin j'en passe, et d'autres, ou Le point de mon retour de Bourman. Ce sont des films qui m'ont surpris, enthousiasmé, et surtout me semblaient changer même la façon de faire du cinéma dans leur domaine respectif. Et pour moi, la révélation de Rosi, j'avais vu un film de lui, son premier film, Le Défi, qui est un film sur la mafia napolitaine. J'avais pas vu son deuxième film, qui n'était jamais, à l'époque, n'était pas sorti en France, qui plus tard s'appellera Profession Maliari, qui se passait en Allemagne, à Hambourg, et sur une extension de la mafia, d'une certaine façon, dans l'Europe du Nord. Mais c'est Salvatore Giuliano, que je me rappelle avoir vu au cinéma Le Bonaparte, Place Saint-Sulpice, et en avoir été absolument transformé. Parce que comme le cinéma n'a jamais été le domaine exclusif de mon intérêt, je m'intéressais beaucoup, mais je pense que si on est critique de cinéma, on doit suivre à peu près le même cheminement que les créateurs que l'on étudie, c'est-à-dire tous les grands artistes que j'ai rencontrés, je ne dirais pas ça de tous les nouveaux cinéastes qui apparaissent, mais tous les grands artistes que j'ai rencontrés, ils connaissaient la peinture, ils connaissaient la littérature, ils connaissaient parfois la musique même, le théâtre, en dehors du cinéma. Et donc, je m'intéressais aussi à la politique, parce qu'il me semblait important, c'était à l'époque de la guerre d'Algérie, c'était l'époque de la prise de pouvoir par le général de Gaulle en 1958. Il se passait beaucoup de choses en France, et donc j'ai été passionné par la politique depuis l'âge de 15-16 ans, et donc le cinéma politique m'intéressait au premier chef. Et quand j'ai vu Salvatore Giuliano, j'ai vraiment eu le sentiment qu'une nouvelle façon de faire du cinéma sur le politique, était en train de naître. Ça n'a pas été vraiment suivi
d'effet direct, car je disais tout à l'heure que les films de Ken Loach, les films de Costa Gavras, et même de Liverstone sont marqués par l'influence de Rossi, et pas seulement eux, beaucoup des cinéastes du tiers-monde, du Brésil, d'Égypte, etc., ont été marqués par ce cinéma. Mais la façon de faire du cinéma politique de Rossi n'a pas eu de disciple vraiment direct, et aucun film, à mon avis, depuis, à part ceux de Rossi, n'a égalé la complexité de ce film Salvatore Giuliano, qui d'ailleurs est au programme de Villerue. Sentite, sentite, sentite. Sentite per ordine del comando militare, ha dato ordine del coprifuoco. L'anno 1950, il giorno 5 del mese di luglio, in Castelvetrano, in via Fra Serafino Mannone, cortile De Maria, esiste un cadavere di sesso maschile della apparente età di anni 30. C'était quoi cette originalité de Salvatore Giuliano? D'abord, c'était déjà le titre, c'est-à-dire le film s'appelait Salvatore Giuliano, et puis on ne voyait pratiquement pas ce Salvatore Giuliano, sinon un cadavre dans une cour après son assassinat mystérieux, on ne sait pas exactement les circonstances. Et puis un homme en blouse blanche qui circulait dans les montagnes autour de Palerme sans autre identification. Et puis les personnages principaux, c'était avant tout son lieutenant, Picciotta, et les Picciotti, c'est-à-dire les gens qui l'entouraient, un peu comme le Christ était, si je me permets cette analogie un peu sacrilège, comme le Christ était entouré de ses 12 apôtres, sur lesquels ensuite la mère allait se répandre en sanglots, comme Marie sur celle de son fils. Et puis évidemment, il y avait Judas qui était Picciotta, si bien que on comprend la mythologie qui a pu, dans un pays baigné de religion comme la Sicile, on comprend la mythologie qui a pu se construire autour de Giuliano, moderne Christ, défonçant les opprimés. Alors en fait, il était complice des latifundistes, des propriétaires terriens, il était complice de la mafia, il était instrumentalisé par eux et il a été ensuite liquidé pour des raisons, encore une fois, qui restent mystérieuses. Et le film ne donnait pas véritablement de réponse, mais ce qu'il faisait, c'était d'analyser de façon antichronologique. On circulait à l'intérieur, puisque Giuliano, le film est de 61, les événements sont de 51, une dizaine d'années, depuis la libération d'Italie par les Américains, qui ont également instrumentalisé Giuliano, et puis sa mort, donc une dizaine d'années. Donc le film est à la fois une série de va-et-vient, mais pas comme des flashbacks habituels avec un flou artistique et quelqu'un se souvient. Non, des blocs de récit, une sorte de mosaïque qui met en rapport les causes et les effets, comme une sorte de, vraiment d'analyse presque marxiste d'une situation historique donnée. D'autre part, je viens de le dire, pas d'identification possible avec le personnage principal. Impossible de s'identifier puisque le personnage principal n'est qu'un, que le motif dans la tapisserie n'est pas du tout le protagoniste.
On pourrait dire que c'est, au fond, une méthode presque brechtienne, même si Rosy n'a pas, à mon avis, prononcé le mot de Brecht, dans la mesure où le théâtre de Brecht, non pas tel qu'il a été joué parfois dans les banlieues parisiennes par des metteurs en scène communistes orthodoxes, c'est-à-dire des mises en scène assez desséchées et assez lerchtuc, comme on dit en allemand, c'est-à-dire des leçons pédagogiques, mais comme une alliance entre l'émotion, Mère Courage par exemple, l'émotion réelle d'une mère comme dans Mère Courage, et en même temps l'émotion brisée par la distanciation. Cette fameuse distanciation brechtienne qui a été trop valorisée au dépens de l'émotion. Car chez Brecht, il y a toujours l'émotion, mais l'émotion ne doit jamais être submergée par la distanciation. L'émotion ne doit jamais submerger le spectateur, elle doit être constamment mise en perspective. Mais sans émotion, il n'y a pas de spectacle. Trop d'émotion, ça nuit à la réflexion. Donc cette alliance de la réflexion et de l'émotion, c'est à mon avis ce qui caractérise tout le cinéma de Francesco Rosy. Là, on peut peut-être revenir à ses origines. Rosy est un Napolitain. Un Napolitain qui est venu vivre à Rome, et travailler à Rome à l'âge de 20 ans, mais qui est très marqué par ses origines napolitaines. Naples, c'est une ville à la fois irrationnelle, avec la superstition, avec le gettatore, le jeteur de sorts, les gens qui lisent dans les marcs de café, tout ce qui peut être de l'ordre du fantastique, du religieux, d'une sorte d'irrationalité profonde du Sud, qui est aussi une façon de conjurer la mort qui est un sujet évidemment essentiellement méridional, toute la culture méridionale, de la tragédie grecque jusqu'à aujourd'hui, a baigné les pays du Sud, mais également Naples, c'est le pays des avocats, c'est le pays des rhéteurs, c'est le pays de la rationalité, c'est un pays qui a été occupé par les Français après 300 ans d'Espagne, l'Espagne qui a nourri cette veine mystique. Ensuite, il y a eu les philosophes, il y a eu Rousseau, il y a eu Montesquieu, il y a eu Voltaire, et Naples est aussi la cité du rationnel, la cité de la plupart des grands avocats, et pas seulement des grands avocats, mais même de beaucoup d'écrivains du sud de l'Italie, que ce soit Pirandello, que ce soit Chacha et d'autres, Vittorini, ce sont des gens qui exercent leur rationalité pour décrire ce monde irrationnel. Donc cette balance entre l'irrationalité et la rationalité, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans cette fameuse distanciation qui ne brise pas l'émotion. Donc Rosy est un homme de Naples, et de ce point de vue-là, je pense que ses origines expliquent aussi le double mouvement de son cinéma. Sans émotion, pas de spectacle. Trop d'émotion, encore une fois, pas de réflexion. Rosy vient d'une double famille, qui, enfin, oui, comme tout le monde, enfin, presque tout le monde, aujourd'hui, il y a la procréation assistée, donc c'est plus compliqué, mais à l'époque, bon, il y avait un papa, une maman, je ne regrette pas cette époque, je n'entre pas dans les débats actuels, mais en tout cas, il y avait une mère d'origine espagnole lointaine. Rosy comparait souvent sa famille maternelle à une famille russe, et les Napolitains avec les Russes. Il y a beaucoup de Tourguenieff, il y a beaucoup de sensibilité, même Dostoïevski, dans l'atmosphère napolitaine, avec des cris, avec des crimes, avec la mère qui était dans son lit, ses fils qui devaient dormir auprès d'elle, etc. Bon, une sorte de grande smala bruissante d'émotions, de disputes, etc., qui était donc sa mère, qui représente ce versant justement passionnel, et puis au contraire un père qui était calabrais, la Calabre, une région austère, une région de gens travailleurs, de gens qui ne communiquent pas beaucoup avec l'extérieur, qui sont assez solitaires, et ce père travaillait sur les chantiers navals de Naples, tout en étant caricaturiste et en dessinant, etc. Et donc il était entre ces deux pôles de son éducation qu'on retrouve évidemment dans son cinéma encore une fois. Et ensuite, il a passé du temps dans la résistance, il a été en Toscane, il a été plus ou moins caché aussi, parce que de peur d'être dénoncé. Et je pense que c'est très important parce que la guerre a été la première fois depuis son indépendance, je ne parle pas de Garibaldi de Risorgimento, mais justement depuis l'installation du régime
du régime en Italie, de l'unité italienne. La guerre, la Deuxième Guerre mondiale était peut-être le moment où le peuple a été le plus associé à la vie du pays, à la vie politique du pays. Et d'ailleurs, c'est cette génération aussi de futurs réalisateurs qui a baigné d'abord dans la collaboration à des revues de cinéma, qui paradoxalement était l'une d'entre elles était dirigée par le fils de Mussolini et qui accueillait des gens qui étaient fous du cinéma américain. Bon, on voit qu'il y a une différence entre le fascisme et le nazisme au point de vue de la vie intellectuelle, puisque c'est le fils du Duce. Alors qu'en Allemagne, on brûlait des livres maudits et qu'on ne traduisait pas les auteurs américains, les jeunes futurs cinéastes, les Visconti et les autres, se nourrissaient au contraire de culture américaine. C'est là que le peuple, pour la première fois, a été sensible à la vie, elle s'est trouvée incorporée à la vie de son propre pays. Et je pense que c'est pas pour rien que Rossi fait partie de cette génération. Il avait 20 ans. En 1942, il est né en 1922, et donc cette expérience de la guerre a été évidemment formatrice, et très vite, il va monter ensuite, après être revenu à Naples, avoir travaillé pour la radio napolitaine, et il va venir à Rome, et il va tout de suite se mêler au monde du cinéma, et surtout, première expérience capitale, il va rencontrer Visconti, qui va lui confier le premier assistanat sur La Terre tremble, également un film tourné en Sicile, donc évidemment la terre aussi de Salvatore Giuliano. E la mattina gli equipaggi rientrano a Trezza. Ma questa volta saranno i giovani a contrattare coi grossisti. Il va dessiner chaque plan parce que Visconti tournait pendant un an, donc il était un peu le script avec. Il y avait aussi un autre assistant qui était moins grand cinéaste, mais tout le monde connu, qui est Franco Zeffirelli. Et ces deux assistants travaillaient auprès de Visconti. Et comme le tournage s'étendait sur énormément de mois, manque d'argent, problème de figuration, enfin je ne sais pas, il y avait des tas de raisons. En tout cas, Rossi, il devait conserver absolument avec précision qu'un tel avait une barbe de 3 jours et pour que ça fasse raccord avec une autre scène qui serait tournée du même personnage 8 mois plus tard. Donc cette expérience va être extrêmement fondatrice pour Rossi, parce qu'il va y apprendre beaucoup de choses. Il va d'abord apprendre avec Visconti la capacité, avec un scénario qui est écrit, mais de pouvoir modifier éventuellement au cours d'une séquence la teneur même de cette séquence, même le dialogue, ou en tout cas les positions des acteurs, et puis surtout le mélange, l'osmose avec les gens du pays. C'est-à-dire que dans les films de Rossi, surtout dans la première période, La Masse sur la ville, Salvatore Giuliano, La Ferme Amadei, il y a beaucoup de personnages qui sont joués par des professionnels et d'autres qui sont joués par des amateurs. Et il y a une fusion, je le racontais hier soir en présentant Le Christ s'est arrêté à Eboli, qui a par exemple une scène dans Le Christ s'est arrêté à Eboli, qui est un film plus tardif de 1979, où on voit le collecteur d'impôts local qui joue le rôle d'un balayeur de rue et qui se retrouve face à Jean-Marie Volonté, l'un des plus grands acteurs au monde, et un interprète extraordinaire, et où tous les deux sont aussi bons l'un que l'autre, c'est-à-dire qu'il donne la réplique à Jean-Marie Volonté, et il est aussi à l'aise. Donc cette capacité de faire jouer, ou bien dans Salvatore Giuliano, la mère qui pleure sur le cadavre de son fils, c'était une paysanne de la ville qui avait perdu elle-même un fils peu de temps auparavant, un peu comme Elia Kazan quand il demandait à James Dean de rappeler son hostilité à son propre père dans À l'Est d'Éden, où finalement la méthode de Stanislavski revue par la méthode de l'acteur studio, c'était demander au comédien finalement de retrouver au fond de lui-même, au fond de ses entrailles,
des sentiments qu'il avait pu éprouver, et donc de trouver des acteurs qui sont proches des rôles qu'ils vont interpréter. Donc Rosine ne faisait pas différemment en demandant à des gens du peuple d'être leurs propres interprètes. Et ça va se répéter plusieurs fois dans sa carrière, où il a une façon extraordinaire, dans La Vasse sur la ville, que vous allez peut-être voir tout à l'heure, le conseiller municipal qui s'appelle De Vita dans le film, est un vrai conseiller municipal communiste. Il y a aussi un Guido Alberti qui joue le rôle plutôt de la droite du conseil municipal. Il y a un mélange de gens qui sont non professionnels, dans les femmes par exemple, les femmes de Montelepré, par exemple dans Salvatore Giuliano, il y a une scène absolument extraordinaire où l'armée du Nord vient patrouiller dans les rues. Moi à l'époque, en 62, quand j'ai vu le film, j'ai pensé à la guerre d'Algérie, parce que c'était vraiment le contingent qui était envoyé à Oran ou à Alger pour patrouiller dans les rues. Et c'était comme si les troupes du nord de l'Italie venaient de Rome pour patrouiller. D'ailleurs, les Italiens disaient, en parlant de la Sicile, de la botte en général, c'est l'Africa a casa, l'Afrique chez soi, dont le mépris qu'ils avaient pour ce sud de l'Italie, arriéré, pauvre, exploité, etc. Donc ces soldats donnent l'impression d'être une troupe d'occupation, littéralement. Et Rosie avez-vous demandé aux femmes siciliennes de venir jouer les femmes qui descendent de leur maison pour aller protester, de refuser qu'on emmène leurs fils et leurs maris à Palerme pour les mettre en prison, pour les juger, pour les interroger. Donc elles voulaient, mais elles ne voulaient pas participer au film. Rosie est allée chercher des prostituées. Il est allé à Palerme, qui n'était pas loin, à 30 km, il a ramené des autocars de prostituées pour jouer les femmes de Montelepré. Et quand les prostituées sont arrivées, les femmes de Montelepré se sont révoltées, elles ont dit « c'est nous, les femmes de Montelepré ». Et elles ont voulu être les femmes de Montelepré, et pas être jouées par les prostituées. Donc elles-mêmes ont joué cette masse de femmes de Montelepré qui descendaient dans la rue et qui allaient se battre contre les policiers dans une scène qui était presque un psychodrame. Ça, c'est le cinéma de Rosie, à la fois réflexion intellectuelle, mais en même temps participation active à cette réalité. Rosie, donc, oui, l'expérience donc, capitale qu'a été la Terre tremble. Ensuite, il va continuer à être l'assistant, il va même travailler au scénario de Bellissima, un autre film, le film suivant de Visconti. Puis, il sera l'assistant de Senso, le film magnifique, film en costume sur le Risorgimento, où il a même dirigé, c'est pas clair exactement, mais apparemment il a dirigé la seconde équipe et les scènes de bataille de Senso que Visconti lui avait délégué. Et d'ailleurs Visconti disait à des amis positifs qui étaient à Rome pour le voir en 1959 qu'il considérait Rosie vraiment comme son fils spirituel et comme son meilleur héritier. Et d'ailleurs, à mon avis, Rosie a plus appliqué les méthodes de Visconti dans La Terre tremble que Visconti lui-même, car le Visconti du Guépard est quand même très très loin du Visconti de La Terre tremble, alors que le Rosie de Salvatore Giuliano est plus près du Visconti de La Terre tremble. Donc le vrai héritier de Visconti, c'est pas Visconti, mais d'une certaine façon, c'est Rosie. Donc il a continué dans les années 50 à être un scénariste, à développer son talent de scénariste, avec des gens comme Luigi Zampa, qu'on est en train de redécouvrir, dans un film comme Processo alla città, Procès à la ville, qui est un film déjà sur date et sur un peu un thème assez, c'est pas même pas sur la ville, mais sur la corruption à Naples. Il va être l'assistant de Antonioni sur I Vinti, un film à sketch. Il va être l'assistant aussi de Luciano Emer, un cinéaste important. Il va être l'assistant de deux films de Matarazzo, grand maître du mélodrame. Alors évidemment, chez Rosie, il y a des éléments de mélodrame qui ne sont jamais du mélodrame, parce que justement, le mélodrame, c'est la poussée du sentiment poussée à l'extrême, et où justement, il ne faut pas qu'il y ait les barrières de la réflexion, il faut se laisser aller. Donc Rosie ne pouvait pas adhérer, mais il a vu Matarazzo à l'heure. Et voilà, et même Monicelli, dont il a été également l'assistant pour un film. Et ensuite, il s'est lancé, comme je vous l'ai dit, en 1957, dans Le Défi, son premier film, et ensuite il m'a dit, et c'est Salvatore Giuliano qui arrive. Alors, Salvatore Giuliano s'ouvre sur un cadavre, et je pense que c'est vraiment très important,
cette histoire de cadavre, parce que on pourrait dire que tout, presque tout, il ne faut jamais généraliser, ni dans le métier politique, ni en général, dans la vie en général, il ne faut jamais généraliser. Mais je dirais, à 80%, la plupart, presque tous les films de Rosy sont des réflexions sur un cadavre. C'est-à-dire, dans l'impasse sur la ville, c'est le cadavre des gens de l'immeuble qui s'effondre et qui emporte avec lui des habitants qui vont être morts et transportés par les pompiers. C'est le début de l'impasse sur la ville. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à cet accident dans un immeuble de la rue Sant'Andrea? Qu'est-ce qui fait que des gens sont morts, etc. La spéculation immobilière, les permis de construire sans vérification, sans garantie, etc. Et on va remonter petit à petit, comme un théorème, du début jusqu'à la fin. On va essayer de comprendre la relation entre le conseil municipal, la corruption, les élus qui sont au conseil pour faire passer leur projet de spéculation immobilière, la bénédiction de l'église à la fin qui bénit les nouveaux chantiers, la complicité entre la droite libérale et la droite encore plus à droite. Je ne vous fais pas de dessin pour évoquer les situations en France, dans certaines villes. Voilà, donc ma base sur la ligne, c'est cela. Si vous prenez ensuite Le Moment de la Vérité, qui est un très grand film qu'il a fait sur la corrida, qui peut-être Orson Welles disait que c'est le plus beau film qu'on ait jamais fait sur la corrida, Le Moment de la Vérité, qu'il a tourné en Espagne, c'est aussi qu'est-ce qui fait qu'un petit paysan se retrouve torero et finit mort dans l'arène. Le passage du sud vers les grandes fiestas tauromachiques du nord, qu'est-ce qui fait qu'on peut mourir au cœur de l'arène? Si vous prenez ensuite les hommes contre, c'est les fusillés pour l'exemple, sur un sujet proche des sentiers de la gloire de Kubrick, les fusillés pour l'exemple, avec un général plus ou moins mégalomane, un peu illuminé, qui les envoie à la mort, et puis un officier qui essaye qui évolue lui-même, qui au départ est militariste, belliciste, et qui évolue, et puis un jeune soldat qui va se retrouver également devant le peloton d'exécution. Si vous prenez l'affaire Mattei, c'est évidemment l'histoire de Mattei, ce grand homme du pétrole, un homme du Sud qui a pris la tête du pétrole italien et qui veut mieux partager les revenus du pétrole avec les pays arabes pour évidemment. C'est pas désintéressé pour gagner à l'Italie un marché contre les puissances occidentales, l'Angleterre, la France, les États-Unis. Et Mattei qui meurt dans un accident à Bescape, son avion explose et il est retrouvé mort. Alors le film a eu la Palme d'Or, mais je me rappelle les Américains, dont j'admire beaucoup le cinéma, mais qui est un cinéma extrêmement différent, ils ne comprenaient pas le film parce qu'à la fin ils disaient « mais qui l'a tué ?» Et Rosy ne donne pas de réponse, parce que l'honnêteté de Rosy, c'est justement de ne pas donner de réponse. Quand on ne sait pas, on montre tous les éléments et on laisse le spectateur tirer ses conclusions. Ce que le film nous dit, c'est qu'il avait intérêt à tuer Mattei. Alors, est-ce que c'est la CIA? Est-ce que c'est les services secrets français? Est-ce que c'est un mouvement politique italien? On ne sait pas, on ne le sait toujours pas aujourd'hui. Mais néanmoins, le film met en lumière les forces antagonistes, les rapports de force qu'il y avait à l'époque, et en même temps une enquête qui est menée, et c'est autour de la mort de Mattei que se fait cette enquête. Lucky Luciano, le film suivant, est également un film mosaïque, c'est-à-dire un film aussi où on circule dans le temps entre ce mafieux américain qui revient en Europe et qui finalement lui aussi va mourir d'une crise cardiaque, d'un étouffement, alors qu'il est interrogé dans les locaux de la police, près d'un aéroport. C'est aussi une interrogation sur un cadavre. Ebony, New York, owns a barbershop, and together with his brother, he has some other business. Only I can't recall in this moment what it's about. Doesn't come to mind what kind of business he ran, eh? No. On peut continuer encore en allant vers même, pourquoi pas, les cadavres exquis,
qui sont un enquêteur joué par un inspecteur, joué par Charles Vanel, Rogas, d'après un roman de Leonardo Chacha, Le Contexte, qui est un inspecteur honnête, qui prend les transports en commun, qui est un bon citoyen, et qui essaye de découvrir la vérité sur une série de meurtres qui ont lieu en Italie, depuis la Sicile jusqu'à Rome, meurtres qui sont accompagnés de mystères, qui a intérêt, c'était à l'époque de la politique de la tension, du terrorisme, etc. Donc c'est un film qui s'interrogeait sur la situation politique de l'Italie. Et alors, Le Christ intérieur de Eboli échappe un peu à ça. Les Trois Frères, c'est un film aussi sur trois frères de trois décennies différentes. L'un est à Turin, l'autre est à Naples, le troisième est à Rome, joué par trois acteurs de générations différentes, faisant des métiers différents, et qui viennent pour la mort de leur père, et ils vont à l'enterrement. C'est un peu un résumé de l'Italie de cette époque, avec le terrorisme qui a fait son apparition, puisque l'un des frères, joué par Philippe Noiret, est assassiné dans un autobus. Voilà. Ensuite, évidemment, c'est Carmen, le film qui semble avoir été écrit pour Rosie, le Carmen de Bizet, qui est tourné dans un style réaliste, comme l'opéra Bizet l'était par rapport à Wagner à la même époque ou à d'autres. C'était l'arrivée du vérisme, d'une certaine façon, dans l'opéra, où Rosie a tourné dans les lieux mêmes des chemins des carabiniers, où il a reconstitué vraiment le Carmen. Et là aussi, c'est la mort de Carmen au cœur de la reine, qui est encore une méditation sur la mort. Chronique d'une mort annoncée, le titre est explicite, c'est le roman de Garcia Marquez, là aussi une nouvelle enquête. Et on peut dire que Oublier Palerme, c'est l'histoire d'un politicien de New York qui revient dans son pays d'origine et qui lui aussi va trouver la mort sous les balles de la mafia. Hai ottenuto queste cifre grazie al modo in cui hai posto le domande. Senti, il 54% dei votanti di New York sarebbe disposto a legalizzare la droga se volesse dire niente più soldi per gli spacciatori, niente più mafia e niente più bambini drogati. Vous voyez que tous les films de Rosie sont marqués. Ce sont tous des formes d'enquête mentale, c'est-à-dire on est dans la conscience d'un personnage, comme c'est le cas de Calabreschi ou du Christ est arrêté à Eboli, qui sont deux voyages que les gens font comme protagonistes, mais qui sont en même temps des interrogations métaphysiques sur la mort et sur les conditions de la mort. C'est-à-dire à la fois le métaphysique, c'est évidemment le mystère de la mort, mais aussi, pas seulement le mystère, aussi les raisons pour lesquelles la mort peut advenir. Donc je pense que ce cinéma est profondément complexe et n'est pas du tout réductible, comme on l'a fait souvent, avec une politique pure et simple, comme serait par exemple Z de Costa Gavras, qui est un film tout à fait valable, mais qui est le bon juge face aux assassins, mais qui est un film finalement assez manichéen, qui donne bonne conscience à la fin du film, on est du côté de Jean-Louis Trintignant. Mais chez Rosie, il y a toujours une interrogation, c'est-à-dire qu'il n'en dit pas plus que ce qu'il sait, mais ce qu'il veut, c'est lui-même a des doutes sur la réalité, il a des doutes en permanence, et ce sont ces doutes qu'il transfère dans son cinéma. Le premier titre du Moment de la vérité, c'était « Vivir desiviendo », ce qui veut dire « vivre en se dévivant ». Et on peut dire que tous les films de Rosie, c'est sur un corps humain couvert de plaies, mais aussi un corps social où la vie s'écoule, tout la vie s'écoule et se perd. C'est-à-dire c'est vraiment une série de films marqués d'une certaine façon aussi par le destin. Et là, on est sûr de retrouver... cette thématique dont je vous ai parlé. D'ailleurs, il y a trois projets de Rosie qu'il n'a pas, enfin, il y en a plus que trois, les metteurs en scène ont autant de projets dans les tiroirs que de films qu'ils ont réalisés. Il y en avait trois qui auraient été évidemment passionnants. Il y en a un qu'il a voulu tourner après Salvatore Giuliano, même à la fin des années 60, c'était sur Che Guevara. Là aussi, c'était une enquête sur la mort du Che, le cadavre du Che en Bolivie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a amené la mort du Che ? Est-ce que c'est les Américains ? Est-ce que c'est le gouvernement péruvien ? Est-ce que peut-être ce serait même, on ne sait jamais, les Cubains ? Pourquoi ? C'est le 8 octobre 1967 que survint un événement majeur, fruit des convulsions politiques que connaissait alors le continent sud-américain,
la capture d'Uche dans la vallée du Huro par l'armée bolivienne, formée pour cette basse besogne par les services secrets américains. L'assassinat d'Ernesto Guevara par le soldat bolivien Mario Terán, qui exécuta la main tremblante et ivre-mort, l'ordre donné par Washington, mit fin à une guerre asymétrique qui avait duré presque un an, mais qui fit entrer le guerriero argentin dans la légende. Son assassinat à l'âge de 39 ans, au fait de sa gloire, transforma ce Sud-Américain en icône mondiale, l'archétype immortel du révolutionnaire intègre et généreux, dont le portrait, universellement connu, devint le symbole. Beaucoup d'historiens relatent ce fait, notamment Di Froilán González et Adis Cúpul Reyes dans le livre La CIA contra El Che, sorti en 1992. En tout cas, il a voulu faire ce film, mais l'administration cubaine ne voyait pas l'intérêt tellement devant un homme qui allait poser des questions. Ce qu'il voulait, c'était une hagiographie, et puis évidemment du Che, qui ne se posait aucune question. Donc il n'a pas pu avoir la collaboration cubaine et il a renoncé au projet, parce que c'était trop compliqué de le faire sans la participation cubaine. Le deuxième, c'était un sujet tout à fait passionnant, parce que Rossi a toujours revendiqué le côté didactique de son cinéma. Il a jamais eu honte de dire « oui, je fais des films pour enseigner, je fais des films pour apprendre, je fais des films pour que les gens réfléchissent ». Ça pose des questions évidemment sur l'utilité de son cinéma, sauf qu'il a fait de grands films et que nous gardons avec nous ces films-là. Mais c'est vrai qu'à quoi bon d'avoir fait tant de films politiques en Italie, et en particulier tant de films de Francesco Rosi, pour qu'après 20 ans de cinéma politique, les Italiens se donnent, s'offrent à Berlusconi, comme si ce cinéma n'avait servi à rien, parce que jamais l'Italie, après tant de grands films politiques, n'a connu un régime aussi démagogue, aussi pourri que le régime de Berlusconi. Donc ça nous donne un peu une réflexion un peu modeste sur le pouvoir du cinéma de changer les gens et de les instruire. Mais en tout cas, Rossi a toujours voulu qu'il y ait dans son cinéma une volonté pédagogique, parce que l'éducation lui paraissait une chose formidable. Et une des choses qui l'a beaucoup marqué, il m'en parlait tout le temps vers la fin de sa vie, je suis certain, aussi à Jean Gilly, c'était que les films italiens, les grands films italiens ne passaient pas à la télévision, qu'ils étaient interrompus par la publicité, qu'on ne pouvait pas les voir même, et parce qu'ils souffraient de cela, parce qu'ils disaient nous devons préparer les nouvelles générations, les préparer à affronter justement les problèmes. Et donc ce côté didactique, à mon avis, devait culminer dans ce projet tout à fait passionnant qui est, à l'époque fasciste, comment des jeunes sont corrompus par des adultes. Comment des adultes, intelligents, manipulateurs, pédagogues ou prêtres, la pédophilie, on sait ce que ça a donné, sont amenés à être en contact avec des jeunes et à les pervertir. C'est-à-dire comment l'innocence se retrouve face à l'expérience et comment l'expérience, au lieu de jouer son rôle d'assainissement et de réflexion éthique, devient au contraire un modèle de perversion. Et c'était ce film qu'il voulait faire, qu'il n'a pas pu faire, que Bellocchio a traité lui-même dans certains films, comme Au nom du Père, mais c'est un deuxième projet qu'il n'a pas pu accomplir. Et le troisième projet, c'était de tourner en costume moderne, dans le Forum de Rome, la mort de Jules César, qui aurait été, alors je sais que Shakespeare en a fait un chef-d'œuvre, mais Mankiewicz en a fait un très grand film, ça aurait été de faire un film sur la mort de César, et encore une fois, une interrogation sur le cadavre. Qu'est-ce qui a poussé les conjurés à tuer César? Voilà, ces trois projets. Donc ces trois projets confirment absolument l'intérêt de Rossi, à la fois sur l'enquête et sur la mort. Si on regarde sa filmographie, j'ai appelé mon livre « Dossier Rossi », peut-être que je n'aurais pas appelé « Dossier Rossi » 20 ans plus tard, parce que son film, son évolution a été assez grande, tout en étant toujours consacré au Sud, d'une certaine façon, parce que dans tous ses films, presque tous ses films, c'est le Sud, même si c'est le Sud hispanique, de la Colombie, de Garcia Marquez, de la Corrida espagnole, de Carmen, les films italiens, il a fait 16 films, dont 3 en espagnol, les 13 autres, ce sont des films italiens, il traite toujours du Sud. Ce qui, à mon avis, c'est un des grands sujets de notre époque, c'est-à-dire le décalage
de plus en plus grand, et d'ailleurs c'est un sujet qui mine l'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire un cœur industriel, un quadrilatère qui irait, disons, de Francfort à Milan, en passant par Paris, Bruxelles, etc. Et puis, au contraire, des marges qui sont laissées un peu à l'abandon. C'est le grand sujet. C'est pas seulement le tiers-monde, le colonialisme, mais d'une certaine façon, à l'intérieur même de l'Europe, les fossés qui s'accroissent, pas seulement entre les riches et les pauvres dans la société, c'est évident aussi aux États-Unis, mais aussi le fossé qui s'étend entre une partie de l'Europe et l'autre partie de l'Europe. Et dans tous les films de Rosie, il y a cette dichotomie entre ces deux pays. Par exemple, les hommes comptes, ce sont des paysans du Sud qui sont amenés à se battre dans les Dolomites contre les Allemands et les Autrichiens dans cette Première Guerre mondiale, et des gens qui ne comprennent pas tellement ce qu'on les envoie faire là-bas. De même, je l'ai déjà dit, dans Salvatore Giuliano, des hommes du Nord qui sont chargés de patrouiller dans les rues d'une petite ville de Sicile et qui ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive. L'affaire Mattei, c'est également pas seulement le tiers-monde, les pays musulmans, les terres de pétrole, mais aussi on voit des scènes qui se passent en Sicile. Donc il revient toujours sur cette confrontation entre le Sud et le Nord, et l'attachement au Sud de lui, homme du Nord, après avoir été né dans le Sud, mais qui revient régulièrement dans ses terres pour se connecter avec les problèmes vécus. Donc, il y a donc au début plus ou moins des enquêtes éclatées, Giuliano, Mattei, Luciano, et puis Rosie, petit à petit, s'attache à ce que j'appelle la sphère du privé, c'est-à-dire à étudier, à adapter. En cela, il retrouve son maître Visconti, qui a beaucoup fait l'adaptation littéraire. Il va adapter des romans, il va adapter évidemment Leonardo Sciascia pour le contexte, Calabresi, mais il va adapter Primo Levi pour Le Christ s'est arrêté, Carlo Levi pour Le Christ s'est arrêté à Eboli. Il va adapter, je l'ai déjà dit, Garcia Marquez. Il va adapter Le Monde Charleroi pour oublier Palerme. Donc c'est une évolution qui fait qu'il commence à de plus en plus, trois frères. C'est vaguement inspiré d'une nouvelle russe de Platonov, mais il va s'inspirer de récits pour donner plus de chair, alors qu'avant les personnages. Alors, c'est pas qu'il fait de la psychologie. La psychologie ne l'intéresse pas au même titre que certains cinéastes, comme Cassavetes ou comme Pialat. Non, il ne s'intéresse pas vraiment à la psychologie des personnes, mais il s'intéresse tout de même beaucoup plus aux personnages qu'il ne le faisait dans les premiers films. Qui étaient des films, peut-être d'une certaine façon, des réflexions plus abstraites sur le contexte sociopolitique. Et donc, toute cette deuxième partie de son œuvre, qui se termine d'ailleurs sur une note d'espoir, puisque c'est très beau d'une certaine façon, un peu comme Kubrick dans Eyes Wide Shut, qui termine sa vie par un film sur le couple qui n'avait jamais traité de cette façon, où le personnage féminin, pour la première fois chez Kubrick, un personnage féminin a une vraie complexité, une vraie richesse. C'est pas simplement une nymphette comme dans Lolita, ou une femme que l'on viole comme dans Orange Mécanique, ou une femme mariée trompée par son mari mais sans existence verrait comme dans Barry Lyndon, mais un vrai personnage joué par Nicole Kidman, un vrai personnage de femme qui d'une certaine façon prend sa revanche sur son mari. Et bien de la même façon, Rosie, dans un film complètement différent qui est La Trêve, il va nous donner pour la première fois un film qui se termine sur une note d'espoir, puisque c'est le retour à la vie, c'est-à-dire sur un homme qui a été dans des camps de concentration, qui est la vraie expérience évidemment de Primo Levi, ce très grand écrivain synonyme de Carlo Levi, mais qui n'a aucun lien de parenté. Ce Primo Levi, donc, qui est revenu des camps de concentration dans sa ville natale de Turin, et qui va retrouver le goût de la vie. En faisant jouer donc par John Turturro, là aussi Rosie prend John Turturro, un acteur américain, pour incarner cet Italien.
dernier film échappe, disons, à ma définition du cinéma aussi, c'est plus un film sur la mort, mais c'est un film sur le retour à la vie, mais qui lui aussi est une adaptation littéraire. Voilà, bon, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, je trouve, chez Rosie, à partir de Galarevski, peut-être. C'est l'intérêt pour le fantastique, le mystère, l'irrationnel, qui menace l'être humain et qui est un domaine qu'on aborde avec un peu de terreur. Il y a l'irrationnel dans le Christ de la Bible, il y a une sorcière, il y a des personnages névrotiques. Dans Galarevski, il y a vraiment un récit policier qui est presque un récit fantastique. C'est quelque chose qu'il va développer dans Chronique du moral, on sait également. Donc ce goût de l'irrationnel, Roger Caillois, dans un livre, l'a très bien montré. C'est-à-dire que, d'abord, on pourrait dire que à la fin du 19e siècle, l'enquête est caractéristique de la psychanalyse. Freud, c'est une enquête psychanalytique. Conan Doyle, Sherlock Holmes, c'est une enquête de détective. Et Albert Londres, c'est une enquête de journaliste. Donc il y a ce goût au début du 20e siècle pour l'enquête scientifique. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'au 19e siècle, si vous regardez les auteurs réalistes, c'est-à-dire Maupassant, Balzac, Gogol, les grands auteurs réalistes sont en même temps des gens qui s'interrogent sur le fantastique. C'est-à-dire que parfois l'extrême réaliste débouche sur une interrogation sur justement l'irrationnel. Et Rosie, qui est un grand cinéaste de la rationalité, il va être amené lui aussi en évoluant à se poser des questions justement sur le genre fantastique. Voilà, donc il y a cet aspect qui est également un autre aspect intéressant du cinéma de Rosie. Justement, ce film, Mamba sur la vie du certain pouvoir, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui est certainement un des films les plus clairs de Rosie. Je veux dire, il n'y a pas de zone d'ombre. Il y a là une véritable dissection de la corruption au niveau de la vie d'une grande ville. Il y a même un personnage positif. On pourrait dire, c'est pas de la vie socialiste, mais le personnage du conseiller municipal communiste, il a raison. C'est-à-dire qu'il représente vraiment un type qui se bat, et c'était le cas des communistes à l'échelle locale, qui faisaient un vrai travail de terrain et de défense de la population. Je ne parle pas de l'horreur du communisme international qui s'est soldé par des massacres de dizaines de millions de gens. Je ne parle pas de l'Union soviétique, de la Chine. Je parle du travail occidental dans les villes occidentales du Parti communiste. Et je crois que Rosie, qui est un homme très honnête, qui n'a jamais été communiste, je ne dis pas que les communistes n'étaient pas honnêtes, mais ce que je veux dire, c'est un homme très honnête parce qu'il regarde une réalité, il essaie de l'analyser sans faux-fuyant, sans construire des théories fausses à partir de la réalité. C'est vrai qu'objectivement, en 1963, à Naples, les communistes étaient du côté des exploités. Ils étaient du côté des gens qui étaient expropriés, etc. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas lui reprocher de présenter un personnage sympathique parce qu'il est communiste. Non, parce que les communistes étaient à l'époque dans ce contexte précis. Bon, mais il montre aussi, et ça on le voit, comment le jeu politique à l'intérieur du conseil municipal, comment par exemple un médecin qui représente une sorte de catholique de gauche, mais à l'intérieur de la droite de la démocratie chrétienne, qui représente un peu l'aile gauche de la démocratie chrétienne, il est bourré de scrupules, il se rend compte qu'il y a des manipulations qui s'opèrent. Bon, lui-même, si je sens jeu de mots, opère dans son hôpital, mais finalement, il va se rallier au nouveau maire qui est un démocrate chrétien et qui est plutôt la droite de la démocratie chrétienne parce qu'il faut que le parti, finalement, se ressoude, etc., et détienne le pouvoir. Et puis, il y a l'extrême droite, on pourrait dire, les monarchistes à l'époque, qui avaient le pouvoir à Naples et qui l'ont perdu au profit de la droite. Donc il montre vraiment très bien les compromissions comme Nini,
puis ensuite on se rapproche de l'extrême droite, puis après on revient vers, plutôt vers le centre, hein, vous voyez à qui je peux penser. Donc il y a une sorte d'analyse extrêmement précise, et c'est presque comme un théorème, c'est-à-dire qu'au début du film, vous verrez ceux qui l'ont vu s'en rappellent et ceux qui le verront le noteront, au début il y a un grand plan de la ville. Dirigere l'espansione della città. Il problema è stato lungamente dibattuto. Alla fine, una commissione di urbanisti e di esperti, appositamente creata, ha scelto la zona a nord della città, dove ora c'è soltanto una squallida estensione di terreno. Il comune porterà strade, acqua, luce e gas e tutte le altre indispensabili opere pubbliche. Ed è per questo che il nostro partito si è tanto battuto. Il y a l'inauguration d'un chantier, on discourt, il y a des discours qui se font, des gens qui parlent, Notola qui est l'entrepreneur qui lui va magouiller en étant conseiller municipal pour obtenir des terrains à très peu d'argent qui, dès qu'ils seront lotissables, vont créer beaucoup d'argent. Donc c'est presque un théorème qui se développe sous nos yeux, mais incarné évidemment par des comédiens, par des amateurs, par une narration, mais qui est au fond une démonstration presque politique, et qui, et de façon étonnante, 50 ans plus tard, 60 ans que dis-je, 60 ans plus tard, reste une actualité étonnante. Parce que quand on voit le sujet de Main basse sur la ville, on pourrait se dire, voilà, un film qui va vieillir. Quand on a vu le film en 63, on n'aurait pas pensé que 60 ans plus tard, il resterait absolument impeccable dans sa démonstration, parce que les mêmes faits se font aujourd'hui. Donc, au Brésil ou ailleurs, dans d'autres pays, etc., et même chez nous. Donc, voilà, un film qui a gardé toute sa valeur, tout simplement parce qu'il n'est pas fondé sur les émotions, il n'est pas fondé sur le sentiment, il est fondé sur une analyse rigoureuse d'une situation donnée à un moment donné. Et je pense que c'est vrai de pratiquement tous les films de Rossi, avec des touches, par exemple, qui sont rares dans le cinéma italien, où l'Église est prise à partie. Bon, je sais que Bellocchio va le faire plus tard, mais l'Église, en général, est très protégée par le cinéma italien, sauf par la comédie, peut-être, la marche. Il y a la marche sur Rome, ça c'est le fascisme. En général, il y a certains sujets qu'on n'aborde pas trop dans la comédie italienne, et encore plus dans les films sérieux. Rossi montre, par exemple, le futur maire de Naples, de la démocratie chrétienne, il a un hôtel privé dans son appartement où il va se recueillir tous les matins. À la fin, il y a l'évêque qui bénit le chantier, etc. Donc, on voit la complicité, comment l'Église joue son rôle. Je pense aussi que le cinéma de Rossi, c'est à la fois un cinéma qui a une certaine forme d'abstraction, j'ai parlé d'un théorème, qui a une certaine forme de formalisme, parce que c'est des films extrêmement composés, extrêmement cadrés, avec un sens de l'image extrêmement fort, et en même temps, c'est des films qui sont qui sont émouvants, brillants de vitalité. J'ai parlé de ces scènes de foule. Là, vous verrez dans le conseil municipal, c'est absolument extraordinaire, la façon dont ils dirigent tous ces gens qui sont des députés, des conseillers municipaux. Et on a l'impression que c'est un reportage, alors que tout est joué, tout est mis en scène. Il a une façon de recréer absolument la vie. Et ça n'a pas vieilli. C'est ça qui est étonnant, parce que souvent, le réalisme a vieilli. On pourrait dire que son cinéma, je conclurai ainsi, c'est un peu la synthèse de trois grands cinéastes italiens, c'est-à-dire, d'une part, deux dont il a été l'assistant, c'est-à-dire Visconti, pour, comme je l'ai dit, une certaine formalisme, une composition d'image, le peintre, etc., comme dans La Terre Tremble, ou peut-être même trop, les femmes sont comme des madones, les femmes siciliennes avec leur châle noir, etc., mais avec un sens de l'esthétisme absolument évident, qui le sort, qui le tire du documentaire vers une forme de stylisation, qui sera toujours la démarche de Rossi, même s'il est moins esthète en premier plan que Visconti. Donc il y a cet aspect de Visconti. De Rossellini, il a adopté le bruissement de la vie, la captation du réel dans ce qu'il a de plus sensible. Je parle du Rossellini à partir de Rome, ville ouverte, pas du Rossellini fasciste, membre du parti fasciste, exaltant Mussolini dans trois films de propagande, ni du Rossellini qui a changé
complètement en 1943, quand les Américains ont débarqué en Sicile, il est devenu antifasciste et il a fait revue ouverte sur la résistance. Bon, on connaît ce qui se passe dans tous les pays dans ces moments-là. Et puis Antonioni, qui lui, évidemment, était beaucoup plus loin de Rosi, mais qui était dont il a été l'assistant sur Ibinti, qui lui est le cinéaste de l'intériorité, de la mélancolie, de la solitude, des paysages à la Chirico, de la peinture métaphysique, dont Rosi, curieusement, vers la fin de sa vie, s'est rapproché dans des films, justement. Rosi était c'était un homme dans la vie qui était un peu comme son cinéma, c'est-à-dire c'était à la fois, moi j'assistais à des soirées chez lui, où c'était extraordinaire parce qu'il invitait des députés, il invitait le peintre Guttuso, le grand peintre, il invitait des écrivains, il invitait des journalistes, sa femme était passionnée de politique, mais lui était en retrait, c'est-à-dire qu'à la fois, c'était une scène de Francesco Rosi, tout le monde s'agitait dans ses dîners, discutait, s'échangeait des coups, polémiquait, etc. Et lui, il était comme un observateur lointain, il était à l'écart, il observait ça, mais avec une profonde mélancolie. C'est-à-dire, c'était un homme, au fond, peut-être, moi je l'ai connu, quoi. Je l'ai connu, même, il avait 45 ans, donc il n'était pas, même pas, donc il était encore jeune. Mais je trouve qu'en accentuant, c'est un homme qui aimait marcher seul, qui méditait, qui est devenu mélancolique devant l'évolution du monde, certainement. Mais il avait donc cette triple nature, l'observateur du réel, l'esthète de Visconti, l'observateur du réel de Rossellini, et le mélancolique solitaire qu'était Antonioni. Voilà. Je pense que d'une certaine façon, on retrouve des éléments de ces trois maîtres dans son cinéma. Voilà. Merci bien, bravo. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. E cosa? E noi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila. Eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono. Dove dirigere l'espansione della città? Il problema è stato lungamente dibattuto. Alla fine una commissione di urbanisti e di esperti appositamente creata ha scelto la zona a nord della città, dove ora c'è soltanto una squallida estensione di terreno, il comune porterà strade, acqua, luce e gas e tutte le altre indispensabili opere pubbliche. Ed è per questo che il nostro partito si è tanto battuto per ottenere dal Parlamento l'assegnazione di un fondo speciale per i bisogni della nostra città. Con questo progetto di espansione, noi e la Giunta Comunale al completo ci presentiamo alle imminenti elezioni davanti ai nostri concittadini, sicuri che anche questa volta essi non vorranno negarci quella fiducia che da anni ci ha permesso di presentarci in consiglio comunale con la maggioranza assoluta. Ma anche voi del governo, che avete sempre manifestato nei vostri programmi una grande sollecitudine per la rinascita del Sud, siete interessati a questo piano. L'aiuto che chiediamo al governo attraverso l'autorevole appoggio di Vostra Eccellenza non è solo finanziario, ma anche morale e soprattutto urgente. E se questo appoggio, come non dubitiamo, verrà, noi non smentiremo la nostra generosa indole di meridionali per restituire sul piano della collaborazione politica quanto ci è stato dato dal governo.